Les amis, je vous fais cette vidéo-là pour, euh, pour vous montrer de, que vous verrez de vos propres yeux hein, le réel, réel problème dans lequel on se trouve en ce moment. Les places d'examen. Alors là, c'est vraiment mais une catastrophe. Mais c'est de pire en pire. Même ça, ce problème-là, je ne l'ai jamais eu, pour vous dire. Hein, D'accord, les amis Donc là, regardez-là. Euh, je vais vous montrer après sur mon interface. Je suis sur mon interface RDV permis. Vous avez l'interface des élèves. Et nous, les auto-écoles, on a notre propre interface. D'accord Et donc là, je suis sur mon interface pour prendre des places d'examen. OK Donc quand je vous fais cette vidéo-là, aujourd'hui, on, on est le 19 mai. D'accord 2024. Donc du coup, il me reste euh, entre le 20 mai et le 30 ou le 31 mai. Je ne sais plus si c'est un 30 ou un 31 le mai. Donc voilà, du, du 20 jusqu'au 31 mai, il me semble, pour prendre des places d'examen. Pour le mois de mai, je vous parle. Hein, D'accord Donc regardez. Là, comme vous pouvez le voir, il me reste 4 places. D'accord Donc ça, 4 places, ça veut dire que je peux prendre, je peux faire passer le permis à 4 élèves. OK, c'est ce qui me reste comme place. D'accord Et là, en fait, quand vous allez dessus, voilà, vous voyez, on a les jours, le 20 mai. Et on a le nombre de places. Là où il y a écrit 0 place, c'est le nombre d'inspecteurs. Vous voyez, inspecteur numéro temps. Inspecteur numéro temps. D'accord Donc là, comme vous pouvez constater, là, je suis sur ville Seine-Saint-Denis permis B donc tout est bon voilà 19 mai vous voyez à la date 19 mai donc je suis sur Villepinte je regarde donc à partir du 20 voilà 0 0 0, 0 place d'accord voilà ensuite entre le 27 et le 31 mai 0 place 0 place 0 place 0 place, 0 place. ok je me dis peut-être Allez, peut-être ce centre d'examen-là, il n'y a, a plus de place. Peut-être qu'il y en a dans d'autres. On a 400 d'examen dans 93. Le plus gros, c'est Ronnie. Voilà, donc là, le 13 mai, ce n'est pas bon. Je vais sur le 20 mai. Voilà. Et donc là, j'y vais. Regardez, 0 0, 0, 0, 0, 0. Je vais sur la semaine d'après. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, les amis. Bobini, 0, 0. Alors, bon, là, c'est le 13 mai, attendez. Voilà, 20 mai, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0 Et voilà, vous voyez, toujours la même. Je fais le dernier, sans brise. Moi, je suis sûr que je les aurais tous fait Voilà, donc, 0, et 0. Donc voilà, les amis. Donc là, si vous regardez bien. Donc là, si vous regardez bien, il me reste quatre places. Ça veut dire qu'ils me disent, tiens, Raphaël, tu peux faire passer quatre élèves. Ok, les gars, c'est bien. Je vais pouvoir mettre quatre élèves à moi sur, le, sur, sur des places d'examen. Maintenant, quand je vais dessus, il n'y a rien. Voilà. Il est là le problème. C'est tous les mois la même chose. C'est la même chose tout le temps. Voilà, On, vous avez des places, mais vous pouvez même pas les honorer. Ça veut dire que là, moi, ces quatre places-là, là, là j'ai quatre élèves qui sont prêts. J'en ai quatre. Ils attendent. Les pauvres, ils n'arrêtent pas de m'appeler. Raphaël, trouve-moi une date, Raphaël, trouve-moi une date. Quatre. Voilà. J'ai la place pour les faire passer les quatre qui sont prêts. Mais qu'est-ce que je leur dis maintenant Je leur dis quoi, ces élèves-là Je leur dis, ben vous attendez. Voilà, donc ce système qui est magnifique, je pense que vous aurez compris mon ton... Euh, Excusez-moi. Ok, donc je vous disais, je pense que vous aurez compris à quel point je suis complètement ironique. D'accord Donc il me reste 4 places et je ne peux pas mettre d'élèves parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Toujours, toujours le même problème. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mes élèves Et c'est ça pour toutes les auto-écoles. C'est le même principe. J'ai des potes à moi qui sont dans le sud. Ils me disent Raphaël, c'est la même chose. J'ai des potes à moi à l'est, à l'ouest de la France, au centre de la France, dans le nord. C'est la même chose. Voilà, c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit aux élèves Eh bien voilà, eh ben on va dire aux élèves, vous allez patienter, vous allez encore attendre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Je ne sais pas, moi, quand est-ce que ces bêtises-là vont s'arrêter voilà, et là on est qu'au mois de mai 2024, les amis. Donc vous voyez déjà, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous compreniez bien à quel point vraiment là je suis, je suis extrêmement contrarié. Il faut savoir que moi de base, j'attends jamais le dernier moment pour prendre des places, jamais. D'accord, ça, ça faut, voilà. faut qu'on soit très clair. Je, j'attends jamais le dernier moment. C'est à dire que moi j'attends pas le mois de mai pour prendre mes places du mois de mai. Je les prends toujours un mois avant. Là, le problème, c'est quoi C'est que la préfecture, elle m'a annulé toutes mes dates du mois de mai. Elle me les a toutes mises au mois de juin. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Rien. C'est-à-dire, tous les élèves qui devaient passer au mois de mai, flou, ils, ils ont été transférés au mois de juin. D'accord Sur une autre date, déjà, eh, alhamdoulilah, je suis content. Parce qu'ils ont eu une date. Parce que des fois, vous êtes annulé, on vous, ne on vous remet pas de date. On vous annule et vous attendez. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils m'ont rendu, ils m rendu mes, mes places du mois de mai. D'accord ces élèves-là qui ont été annulés, ils me les ont rendus, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont pas rendu les places, ils m'ont juste rendu le droit, les droits de mettre des élèves. Donc il y a les quatre droits, ils sont là, on les voit, vous les avez vus, mais il n'y a aucune date disponible. Donc moi, ça me fait une belle jambe, moi je suis content. Hein Qu'est-ce que je vais faire avec quatre droits Je vais dire quoi aux élèves je dis, Ah non, non, t'inquiète, t'inquiète, bonne nouvelle, j'ai les droits. Ça veut dire quoi Raphaël ben, Ça veut dire que j'ai le droit de te faire passer ah, super, tu vas me faire passer Ben non, il n'y a pas de place. Mais tu m'as dit que tu avais le droit. Oui, j'ai les droits. Ben fais-moi passer. Mais il n'y a pas de place. Voilà, vous voyez Voilà, on en est là. On en est là. C'est de la. Ah mon dieu, ça me ronge. Ça me ronge. Ah purée. Donc voilà, les amis, le, le problème, il est réel. Le problème, il est réel. C'est ça. Il est là, le souci. Vous voyez Et c'est la bagarre tous les mois. Vous savez, j'ai un pote à moi, écoutez bien. Hein? Un pote à moi, sur, depuis le début de l'année, on est au mois de mai, hein? ils, lui ont, ils lui ont annulé 34 élèves. Il a 34 élèves euh, qui ont été annulés. Qu'est-ce qu'on fait Vous voyez ce que je veux dire 34 élèves. Il m'a dit, il, il m'a dit, je pète un câble. Comment je fais Parce qu'il faut savoir, c'est qu'après, vous voyez, moi, mes élèves du mois de mai qui ont été annulés, on les a reportés au mois de juin. Mais le problème, c'est quoi C'est que mes élèves du mois de juin qui étaient prévus, ils vont s'ajouter à ma liste des élèves du mois de mai. Donc moi, au mois de juin, je vais me retrouver à bosser double. Donc je vais très certainement bosser tous les jours de la semaine. Déjà, donc je vais finir à crever des grosses journées. Pour pouvoir faire le boulot pour le double d'élèves, alors que normalement je ne devrais pas avoir à le faire. Et par contre, au mois de mai, ben là, vous voyez, je vais me la couler douce. J'ai des journées, je vais vous dire, j'ai des journées, je bosse deux heures. D'autres journées, je bosse quatre heures quand, je suis, quand, quand tout va bien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des jours, je ne bosse pas. Parce que, ben, hey, pas d'élèves, je fais quoi Je vais dire aux élèves, ben, vas-y, prenez des heures et, euh, et c'est tout. Je ne sais pas quand est-ce que je vous fais passer le permis. Ils vont me dire, Raphaël, t'es gentil, mais euh, tes heures écoutent. Ils ont raison. Tes heures écoutent. Du coup, je vais faire quoi Je vais conduire et je ne sais pas quand est-ce que je vais passer Je vais dire, ben, bah, ouais. Voilà. Donc, du coup, bah, pas de date, pas de conduite. Pas de conduite, pas de paf. Donc, pas de paf, pas de rentrée d'argent. Donc, ça vous touche, vous, les élèves Sachez que ça nous touche, tous. Voilà. Moi, un patron qui ne rentre pas de sous dans sa boîte, moi, les factures derrière, elles continuent. Le loyer de l'auto-école, je le paye. Les factures, l'essence, carburant, EDF, tout ça, je continue à payer. Ils n'en ont rien à faire, l'État. Ce n'est pas leur problème. Il hein. faut bien comprendre, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu payes, peu importe comment. Et donc, voilà. Ben, là, je vais me retrouver à payer et à ne pas travailler le mois de mai, sachant que je n'avais pas prévu de prendre des vacances. Du coup, là, c'est des vacances forcées. Et. Le mois de juin, je vais bosser double comme un malade. Je vais bosser tous les jours de la semaine, même le dimanche, pas m'arrêter pour pouvoir rattraper ça. Est-ce que c'est normal? Non. Et moi je suis quelqu'un, je ne lâche pas mes élèves. C'est-à-dire que je vais tout faire pour qu'ils aient leur formation correcte, pour qu'ils puissent. Mais je vais, je vais douiller. Je vous le dis, je vais douiller le mois de juin. Voilà. C'est comme ça. Et je, je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas leur problème. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Ah ben je fais rien. Ben, je ferme ma bouche et je continue à bosser, et puis c'est tout. Hein. Et puis là, ben là je suis en vacances au mois de mai. Voilà. Bon, vacances, il euh, n'y a pas de congé payé hein, pour les patrons, hein, je vous le dis. Il hein. n'y a rien, vu qu'il n'y a rien qui rentre. Tu te démerdes. Là, ça va être comme, euh, entre guillemets, un peu du sans sale, quoi. Hein, les amis D'accord Donc voilà, vraiment, c'est important. Que je, je fais cette vidéo-là pour vraiment que vous compreniez la situation dans laquelle on se trouve. C'est du très, très, très sérieux. C'est inacceptable. Je ne sais pas où on va les amis, mais ça ne va pas le faire du tout. Ça ne va pas le faire du tout. On ne peut pas continuer comme ça. Et comme je vous ai dit, moi encore je ne suis pas le plus à plaindre. Hein. Comme je vous ai dit, là mon pote, 34 élèves, il y en a d'autres qui m'ont dit 20, d'autres qui m'ont dit 11. C'est quoi ce bordel On va où là On va où Donc voilà les amis, je voulais que vous le sachiez. C'est très important que vous compreniez la situation dans laquelle on se trouve tous. Et là, c'est vraiment quelque chose de national. D'accord Je vous le dis, c'est partout en France le même problème. Donc, voilà, les amis, c'était pour vous tenir au courant. Moi, de toute façon, je continuerai à vous tenir au courant dans mes vidéos, etc., pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Moi, je vous dis bon courage à tous et prenez soin de vous.